Saint-Louis a abrité les 10 et 11 avril 2014 un tournoi de football qui a regroupé des Dara et des équipes locales. Organisé par l'association Ta Liberté et le Corps de la Paix américain, cette manifestation met l'accent sur les activités sportives et éducatives afin de maintenir et de travailler à la mixité des coûts sociaux parmi les jeunes et surtout avec les enfants talibés. 25 volontaires du Corps de la Paix, venus d'un peu partout du Sénégal, ont tenu des stands sur différents thèmes. Écriture de noms pour promouvoir l'éducation, peinture faciale pour fournir de l'amusement et des activités culturelles, microculture de menthe et lavage approprié des mains et nutrition pour promouvoir des conditions de vie saines. Séance de sport karaté. Le tournoi de football proprement dit a véritablement commencé dans l'après-midi du jeudi par le coup d'envoi donné par l'ambassadeur des États-Unis, son Excellence M. Lewis Lukens. Au total, ce sont 12 équipes, 10 Dara, 2 écoles de football, un club d'arts martiaux, une ASC, une équipe de volontaires du Corps de la Paix américain et une équipe composée d'éducateurs qui étaient en concurrence pour gagner des trophées. L'école de football locale a remporté la finale face au Dara Tierno Malik Ndiaye. Comme le soulignent les responsables de l'association Ta Liberté, cette compétition vise à promouvoir l'intégration des talibés par le sport. Et au-delà de ses aspects festifs, cette manifestation a permis à plus de 150 talibés d'avoir des moments de joie hors de la rue.